예. 흩어진 제자는 그 세 단어를 기억해야 돼요. Disciples dispersés doivent se souvenir trois mots. 여러분들은 지금부터 세 가지, 세 개의 교구. Vous devez préparer ces trois régions. 예. 쉽게 말하면은 전 세계를 연결되는 필드입니다. Pardon, les terrains du monde. 이걸 알아야 돼요. Vous devez connaître le terrain qui va se connecter au monde. Surtout votre église, la nouvelle ville de Hong Kong. 렘넌트와 중재를 세워서 세계 조직을 하래요. Vous devez établir les remnants, les responsables de l'église pour établir ce terrain du monde. 그리고 모든 부교역자들이 목회를 할 수 있을 만큼 대교구제를 세워라. Et tous les assistants pasteurs, pour qu'ils puissent mener leur ministère, il faut établir ce grand terrain. 저는 이거 실현시킬 겁니다. Moi, je vais les accomplir. 모든 부교역자들은 딴 생각하고 있습니다. Tous les assistants pasteurs, ils sont en train de penser à d'autres choses. 있다, 있겠다 생각하지 않습니다. Ils pensent que ah, je vais peut-être un jour partir dans d'autres églises, je vais, je vais quitter mon église. 마음껏 뛸 수 있거나 아이들 교육하는 지장이 없을 정도의 보장이 안 돼. Pourquoi? Parce que ce n'est pas garanti qu'ils peuvent mener leur ministère très librement. C'est ce que vous devez préparer, n'est-ce pas? 평생 이 교회에서도 괜찮을 정도 돼야 돼. Alors, à ce point-là, que les assistants pasteurs vont penser, je vais rester dans cette église éternellement. 완전히 내 목회를 할 수 있어야 돼. Pour que ces assistants pasteurs puissent mener leur propre ministère dans cette église. Par chaque pays, même. Jusqu'à ce que, point dans votre église de la nouvelle ville de Hong Kong, il y aurait des équipes des États-Unis, de plusieurs pays. Et encore. 우리 장로님 주임자들은 반드시 여기에 대한 조직 속에 들어가면서 한 나라. 한 지역 붙잡으셔야 돼요. Les anciens et les responsables de l'église, ils vont aussi former ces terrains ensemble. Mais il faut s'occuper dans ce pays. 흩어진 제자들이 봐야 되는 부분입니다. Non, un terrain par responsable de l'église ou des anciens. 이거 하러 노예 포로 속국시인 거예요. Les sept remnants ont été envoyés comme des esclaves pour former ces terrains. 이걸 제대로 해낸 사람이 Donc c'était l'équipe de Paul qui a bien établi ces trois terrains. Dieu a versé les réponses sur ces terrains. Donc tenez cela comme alliance. Vous devez absolument recevoir la réponse à la prière. Si un enfant de Dieu ne reçoit pas la réponse à la prière, vous ne pouvez pas sauver les autres. Vous devez acquérir la puissance physique spirituelle de Dieu. C'est ainsi que vous allez sauver les autres. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et que ces bénédictions soient survenues dans votre église et aussi dans les disciples, sur les disciples dans le monde entier. Je prie. Seigneur, nous te remercions. Verse-nous la puissance de haut. Permets la puissance de trône. 사람 살리는 증인이 되게 해 주옵소서. Lève-nous comme les témoins qui vont sauver les âmes du monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.